Madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur Chanel, Palais Haïti. Et bien sûr, notre plaisir, notre occasion, et moi tourner encore sur la plateforme non, avec une autre nouvelle pour te donner en détail. Et je salue tout le monde qui branché, qui attendait, qui regardait nous, et qui bon Dieu bénit nous. Et nous faisons une émission qui est spéciale à Soya, côté nous pour faire pile, monde parler, et nous parlons des monde qui en Haïti, et l'association qui pourra parler à Soya. Eh bien, c'est une dernière édition, mais c'est une vidéo qui est vraiment intéressante, en pile, on demande autant pour tendre, pour garder. On a les premières informations nous avons là, avant de prendre mesdames pour parler là. Il y a plusieurs avocats opposition qui voyaient et ils voyaient lettre by pays États-Unis d'Amérique, une lettre qui gagne là-dedans plusieurs pages. Il y a une lettre qui est là-dedans en pile page, madame, messieurs, côté avocat, opposition, ça yo mandé et pour et pays tant que États-Unis, avec un pilote instance internationale là, pour yo dit, et président Jovenel Moïse, et puis yo dit ancien président Jovenel Moïse, c'est ça qui est dans la lettre là, yo mandé et aide avec un pile pays tant que ambassade Canada, yo mandé aide avec la France, Union européenne, CARICOM, avec un pilote instance internationale là pour dire ancien président Jovenel Moïse, c'est ça qui est dans la lettre là. Il mettait ancien président Jovenel Moïse, pas président encore, pour ne pas inviter monsieur comme président PIA. Il fait qu'on est en gros qui m'explique nous qui sa lettre ça est, ou que un pile avocat opposition voué bail divers pays ça est, tant que voué bail Canada, la France. Et CARICOM, c'est marché commun de la Caraïbe. Nous connaissons Haïti, fait partie CARICOM dans tout. Avec un pilote instance internationale là, pays États-Unis, tout. Pour yo dire, yo pas supposé inviter président Jovenel Moïse dans rien parce que mandat Jovenel fini, Jovenel pas président encore. Eh bien, madame, messieurs, et non, même, et lettre ça, côté, yo mette, yo mandé, et pour mettre yon interdiction dans départ voyage contre président Jovenel Moïse. Côté yo di, et Jovenel Moïse pas supposé voyager dans l'international là sous nom Haïti avec toute madame ni Martine Moïse. Eh bien, yo di, et interdiction ça, côté lettre ça, gen la donne, et en pile avocat opposition qui siyen, côté yo fen, konnen, international là pas besoin vi, invite Jovenel Moïse dans, et quel que soit ça fait encore, parce que Jovenel Moïse pas président encore. Eh bien, c'est comme ça, et n'attend pour nous, comment ça est-ce qu'il apprécie voir l'autre opposition, ou dis maintenant. Bien, c'est pour ces gros causes qui gagnent. Et l'autre information nous gagnons là, madame, messieurs, qui a dominé l'actualité à la, nous supposons bon. Nous connaissons aujourd'hui à la, c'est un grand jour, c'est une journée internationale femme. Eh bien, dans 4 journées, ça, tu as gagné pile bon bagage qui était fait dans la ville au Caï. Eh bien, aujourd'hui à la journée internationale femme, et côté organisation des jeunes analystiques et patriotes, qui c'est OJAPH. Côté organisé une journée de réflexion avec environ 100 femmes dans la commune Tobek. Et pendant journée 7 et jeudi 8 mars, là, côté honoré, ancien magistrat Tobek, là, qui c'est Madame Paulette, et honoré en pile femme encore. On a regardé comment fait la thé, on a regardé ensemble parce que voilà, on va regarder sur l'écran comment fait la thé, on va tourner. Bon, jeudi, à moi, on connaît demain, c'est journée internationale femme. Bon, nous, là, jeudi, on a fait un débat avec mesdames. Avec coordonnatrice qui c'est ma plus en droit. Moi là, juste pour nous faire mesdames qui connaissent le droit, en tant que femme, et je suis proto-mitant société. Non, pas d'évolution. Pas d'évolution, mesdames, vous avez besoin de plus de formation pour vous connaître le droit. Mais nous vivons dans un pays côté insécurité à faire l'âge, côté grand pile violence. Qui est basé sur une femme active. Je ne vais pas faire évolution, pas d'évolution. Okay. Mais dans ta avenir, il faut faire chita pour jouer une solution et puis pour les gens respecter les droits. D'abord, c'est eux pour faire respecter les droits. Nous avons demandé justice pour un pile femme qui est tombée. Là, on a regardé Evelyne Sincère qui est tombée en bas de bandit. Et puis nous avons une petite là, nage tout, côté maman, une seule petite fille. Et une seule petite fille. Et puis, les derniers qu'on a, nous là, coupé bras, coupé pied. Nous avons demandé justice pour toute fille, toute petite fille, toute femme qui tombait en bas de violence.
Pose tout kote doa fom yo pa respekte. Paske fom yo manke formasyon, kom mwen dir. E pi tou wap viv nan yon peyi kote insekurite a fè raj. Pa gen doa ki respekte. E en fèt nou salye tout abone ka info yo. Jan ki ou ka remarke la, se en prelude de 8 mars. 8 mars ki se Jounen Internasyonal des Droits de la Femme. Men nou menm nou te deside fè yon konferans de pres e otou de l'implikasyon de la femme dan la politik an Haiti. E mba se ke jodi a, petèt sosyete nan pale a, san ke patisipasyon aktive en fèt de la femme, nou pa kapab gen sosyete sa nan pale a. Mba se ke Jean Okaou Makela son konferans ki fèt non seulement avec position PAM par rapport avec non seulement UMAS, UMAS que et Sinapral prend qui c'est Journée internationale des droits de la femme, bon ensemble de batailles qui menaient notamment et en Europe, notamment en Amérique, mais en Haïti et nous essayer garder bataille par rapport avec l'occupation américaine puisque c'est en 1934 et première ligue féminine action sociale pral prend naissance qui non seulement à partir de décennie 80 en 86 qui le 3 avril en 86 pral bon organisation femme qui pral mettre plus de 30 femmes dans la rue et ça qui pral occasionner un ministère tant qu'aux conditions féminines en 94 moi pense que jodi a rôle femme assez important dans société a si on a raison jodi a pour marquer date ça nous font conférence côté nous garder d'une part et journée internationale des droits de la femme et d'autre part implication femme yo dans question politique pays d'Haïti et m'pense bien évolution puisque soit pral prendre l'histoire bon période donnée femme pas de droit voter nous t'a pral obligé tant d'accabler la constitution de 1954 bien que c'est à partir en fait de la loi du 25 janvier 1957 que femme bral gen droit pour voter dans l'élection. Deuxième aspect dans la question femme jodi a gen ensemble de travail longtemps et gen de travail qui était résumé avec garçon mais gen de travail jodi a l'on prend maçon ou prend ébéniste ou prend de bas aménuser c'est jodi a ou jeune femme fait travail ça auto moi parce que femme yo jodi a yo gen capital importance dans société a puisque yo même yo participé dans construction société ça. Donc c'est l'organisation jeune analyste et patriote d'Haïti qui est possible au Japon qui prend l'initiative pour que lui honore un petit moment de réflexion ensemble avec toute femme qui gagne dans la communauté Tombé-Croise là. Donc son organisation donc en fait nationale mais qui vient siège lui au niveau de commune Tombec. Bon, nous avons environ 100 femmes qui sont là aujourd'hui pour être capables de réfléchir ensemble avec nous sur l'implication des femmes dans la société. Nous avons avec nos anciennes mairesses de la communauté Tombé-Croise qui c'est Madame Persona Francis qui a parlé ensemble avec nous sur sa femme représentée dans une société et nous avons aussi sociologue Rodney François ensemble avec nous. Bon, quitte donc à lycée, c'est des membres qui sont dans la communauté, dans l'organisation en fait, qui contribuent et puis nous jouons un support et sénateur Hervé Foucan qui aide nous et dans l'activité si là. C'est la première fois que nous faisons activité de distribution, mais nous comptons faire des journées de réflexion, de conférences et des activités dans le cadre du coronavirus. Donc nous avons vraiment arrêté. Vraie population, hein, nous avons fait plusieurs formes de sensibilisation, nous avons gagné plaquettes au niveau de la rue, nous avons gagné en fait, nous avons gagné le point de lavage et des mains. Donc, nous avons un paquet de bagages pour nous passer dans la radio, donc à sensibiliser, nous mettre des spots pour que nous soyons capables de respecter les consignes et hygiène. Bon, nous sommes capables de dire un petit effort et tout petit parce que les enfants ont été laissés aller à la dépendance pour qu'on y ait là. Donc, ils ne sont pas totalement capables d'évoluer, mais ils ont une sorte d'effort qu'ils ont fait dans la société. Nous avons été quoi si la formation continue à faire, la sensibilisation continue à faire. Donc, mesdames, ont fini par conscience de la potentialité que vous avez la caillou. Parce que nous croyons que les femmes ont même pas une question de. Même question de parler, de revendiquer 50-50. Son bagage que moi pas me trouve vraiment qui disant parce que normalement femme dans lui-même les gain tout organe lui même genre garçon gagne pour fonctionner donc spirituel gagne tout ça que le besoin pour lui vivre gagne toute énergie parce que donc on va ouais et raison que pour n'a goûter pour n'a revendiquer on 50-50 tout simplement nous besoin.
besoin d'une campagne de sensibilisation pour que mesdames soient conscientes de valeurs, de potentialités que vous avez la caillou pour que vous capable de mettre en évidence pour utile communauté. Et d'après des femmes, yo continuer rester femmes qui en fait qui les féministes, yo donc continuer quoi dans tête, non continuer quoi dans tête, yo et puis ça pas quoi dans tête, yo font petit moment et de réflexion, garder au fond auto évaluation de tête pour garder jeudi à côté et qui premier dans 5 ans quoi qui côté au temps meilleur. Donc c'est ça, je pense que qui est capable de faire que donc ou évoluer, continuer quoi dans la tête, non, pas quitter pression, campagne de dénigrement qui a fait comme banal, pas quitter nous intimider par lui-même, pas quitter nous prendre la pression. Et c'est mettre force, mettre détermination, mettre motivation pour que nous sommes capables, le monde que nous souhaitons, parce que nous sommes capables n'importe qui bagaille, même si on gaspille n'importe qui bagaille. Merci. Dans 4 journées, 8 mars, là, côté nous avons réfléchi, sensibilisé toutes les femmes. Le thème qui est retenu, c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la COVID. Moi, insister avec mesdames sur le leadership là pour travailler plus le leadership, pour ne pas réfléchir à la caille, mais toujours un bagage que vous avez fait, pour faire sortir le leadership là. Parce que le leadership là, le marché ensemble avec compétences et formation. Si vous ne faites rien, on chita dans un coin ou pas leader. Il faut toujours un travail qu'on va faire, il faut marquer la société et ce qu'on va faire, il faut faire le bien. Nous disons pour un futur égalitaire, mais tant qu'on est professionnel ou qu'on travaille, il y a toujours reconnaître tout droit et reconnaissance des droits, c'est parce que pour travail professionnel qu'on a fourni. Et droits sont égalité, égalité en droit, ce n'est pas égalité biologique parce que nous sommes différents, c'est une égalité en droit. Il y a toujours reconnaître capacité à partir de ça, que vous-même pouvez faire professionnellement. Et nous insistons sur le leadership là, tout dans un monde de la COVID. COVID, la livine transversale, il change tout ça qui a passé dans le monde là. Il faut éduquer les gens online, il faut former les gens, il faut bailler le matériel que vous avez besoin et vous-même, il faut continuer à former. Même si vous n'êtes pas malade, mais vous avez des gens dans la famille qui sont atteints. Et le monde dans la livine change. Plus commerce, petit commerce, vous pouvez faire utiliser le téléphone pour mettre le commerce là. Longtemps, c'est dans la rue pour aller exposer, mais pour nous, faire la partie de téléphone. Donc, dans le monde COVID, là, mesdames, vous devez faire plus de leadership, chercher, prendre plus d'initiatives, vous regarder qui ça va faire. Parce que faut nous continuer à vivre dans le monde COVID. Là. Et me dit tout le monde, en avant, on continue à travailler. En fait, c'est une activité que quasiment nous faisons chaque année. Et nous, qu'on est ONU Femmes, c'est l'Agence des Nations Unies qui est vraiment occupée de égalité hommes-femmes, droits des femmes, autonomisation économique des femmes. Donc, nous n'avons pas de quitter la journée sans passer. Ce que nous avons célébré. Nous avons célébré le jour de en cadre d'un projet que ONU Femmes a exécuté dans le département sud de Grand'Anse. Le projet a été FADECA, Femmes dans l'agriculture et le développement économique Haïti. Donc, nous connaissons le ministère des conditions femmes, c'est un partenaire clé ONU Femmes en Haïti. Donc, nous avons profité de la journée pour accompagner vraiment le ministère des conditions féminines dans le département du sud pour que nous célébrions comme ça doit le jour de ça avec les bénéficiaires du projet. Bon, bagaille difficile, mais il y a des journées où on ne peut pas quitter passer comme ça. Une journée, quand on journée 8 mars, là, vraiment qui marque la lutte que mesdames ont fait pour droit vraiment respecter dans le pays, on ne peut pas quitter journée ça passer. Et surtout que nous sommes une femme, nous avons un partenaire clé nous, qui s'est mis en condition femme, donc nous ne pouvons pas quitter journée à passer. Nous sommes obligés quand même de commémorer journée ça, rappeler qui ça nous joigne déjà dans la lutte. Mesdames, et qui s'acquitte pour nous joindre, nous pas qu'à quitter journée ça passer, ça ne va réfléchir sur nous. Nous espérons que mesdames continuent à vous parce que journée ça, ce n'est pas une journée de pour nous fêter, c'est vraiment une journée qui rappelle, mesdames, que bon lutte qui a commencé, il y a des bagailles que vous jouez déjà et il y a des autres qui ont pour nous joindre. C'est pour rappeler que la lutte là pour qu'on finir. Oui, il y a une amélioration, c'est la garde des débuts, genèse, mouvement féminin. Hein? Je pense que c'est un temps, les femmes ont même inscrit pour voter. Il y a des femmes qui doivent porter un candidat, des femmes qui élus sénateurs, des femmes qui sont députées. Et il y a un quota de 30% qui mettent là actuellement, on ne peut pas passer dans la mairie pour jeunes trois garçons, pas possible. Donc c'est déjà des acquis que nous avons gagnés. Mais il y a des autres bagages qui étaient pour rejoindre, il y a continué vous-même pour rejoindre plus. Il y a gagné déjà des acquis, mais il y a continué à lutter pour qu'il y ait plus toujours. Oui, mais ce n'est pas seulement au CAI. Actuellement, avec le ministère des conditions féminines à Port-au-Prince, il y a deux journées, un forum pendant deux journées. Il commence aujourd'hui et il a continué demain. Donc,
c'est vraiment en semaine de commémoration de journée Vimasla. Il a commencé hier et jeudi à un forum, demain un forum, un ensemble d'activités. Et ce n'est pas seulement l'année de fête. Et le 5 ans, nous avons déjà fait célébrer la journée ça dans le département de Grand Anse parce que le projet à Jambi Noan a intervenu dans tout le département. Bon, on a dit qu'on continue à vous-même, à qui vous avez fait dans main et ça a beaucoup de jeunes. Pendant que vous avez fait déjà, continuez à vous pour même plus. Je dis à ce 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Heureusement, je tombe un jour lundi, c'est du travail. C'est dans ce sens ça, nous marquons la date là. Nous commémorons la date là, je dis à, avec sous-thème, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible en Haïti dans un monde de la COVID-19. Pendant que nous demandons, mesdames, pour renforcer le leadership et puis nous combattre le coronavirus dans le pays d'Haïti. Dans l'activité, nous faisons les mêmes gens avec Jean-Ministre qui a lancé le Forum national. Là. Actuellement, le ministre a fait 2 jours, nous avons une délégation, nous avons un représentant sud, représentant chaque département qui a participé dans le forum. Le forum, c'est qui ça? C'est autour de 8 mars. C'est pour mesdames qui sont capables de réfléchir. C'est une journée de réflexion, c'est une journée de fête liée. C'est une journée de réflexion. C'est une journée côté pour mesdames qui garder, pour réfléchir, pour voir qui côté nous sommes, qui barrière nous sommes, qui est limité nous. Et aujourd'hui, nous connaissons un pile travail qui est fait grâce à ministère des conditions femmes et organisation femmes qui a plité depuis bien longtemps. Et nous avons un pile travail toujours qui était pour faire, qui n'est pas fait. Mais nous connaissons plusieurs idées, faire jaillir la lumière. Et bien c'est comme ça, nous réunissons avec mesdames pour partager avec nous toute expérience qui est passée, ça qui est passé, qui lutte, qui bataille nous mené dans le temps passé. Et aujourd'hui, à qui côté nous y est. Et nous avons pile travail, nous avons fait encore la longue. Égal pour nous faire ce n'est pas seulement moi-même qui est capable de réfléchir pour moi, seulement qui côté nous aller. C'est le travail nous toutes, c'est le travail de toutes femmes. Et nous avons besoin de support garçons tout pour mettre les mains avec nous. Pour nous connaître qui travaille encore nous était. Josia nous avons plusieurs interventions. Nous connaissons, premièrement, nous connaissons mesdames, nous avons droit, nous avons tout droit. Mais nous avons un droit spécial qui est le droit à la santé. Nous connaissons sans santé, nous ne sommes pas capables de camper, nous pas capable de faire rien. Mais c'est comme ça, nous gagnons l'hôpital Notre-Dame, qui a une présentation qui va être faite pour nous, non seulement ça, mais spécial tout. Sous dépistage, cancer, col, matrice que nous connaissons, mesdames, en pile mesdames et malades, en pile mesdames qui ont un problème ça. C'est ça fait, nous avons l'hôpital Notre-Dame qui est là pour faire une présentation, et puis les finis, ils vont spécial que nous accordé au ministère pour faire mieux, pour faciliter mesdames, faire dépistage. Ensuite. Mais nous, là, nous disons, mesdames, qui est là, pas là, parce que lutte là, vraiment, nous connaissons, chemin difficile, c'est vrai, et avec tête ensemble, nous avons privé, nous dit mesdames, nous sommes solidaires, en nous soudant, nous coude à coude, pour nous avancer dans la bataille que nous avons menée depuis bien longtemps. Nous commençons à mener et nous l'avons point et nous avons avancé. Oui, ONU-Femmes sont un partenaire qui travaille avec le ministère là, même avec l'autre ONG, mais ONU-Femmes, lui-même spécialement, je dis à lui faciliter nous l'activité. Je dis à, c'est grâce à ONU-Femmes. Support financier? Support financier. C'est grâce à ONU-Femmes. Je dis à, nous réaliser activité ça. OK, voilà, c'est ça. Et merci tout le monde, c'est ton plaisir pour me dévoter une nouvelle ça va nous et rester connecté demain si bon Dieu veut nous tourner. Bye.